Qu'est-ce que c'est qu'Ovéo? Ben, pour moi, c'est Accéléo, parce que ça a été leur premier produit. Et avec ça, ils ont accéléré tout le temps et de manière permanente et de manière très forte. La première question que tout le monde se pose, c'est comment on a fait? Grâce à notre stratégie basée sur l'open innovation, l'open source et à des technologies qui sont très innovantes et qui apportent énormément de valeur, on pense qu'on est tout à fait en mesure de peser. Ils s'imposent une certaine discipline dans leur manière de travailler. Ils sont extrêmement rigoureux. Ce qui m'a convaincu, c'est justement leur capacité à écouter la demande du client, à la reformuler, une approche qui n'est pas uniquement technicienne. Et c'est vraiment un exemple d'une société qui a vraiment bien progressé, saine, hein, et puis qui sait garder ses collaborateurs, et puis qui amène un esprit de convivialité. Le truc le plus insolite que j'ai fait à OBO, c'est le fait de fabriquer un chat qui pète des bulles et de présenter ça à travers le monde entier. La force d'OBO, c'est le fait de proposer des choses en s'amusant, construire de nouvelles choses. On sait faire du travail de qualité et c'est ce qui fait que ça marche auprès de nos clients. Ce que j'ai vécu à OBO, que j'aurais sans doute pas vécu ailleurs, c'est le fait de m'avoir fait confiance très tôt au bout de peut-être 6 mois ou 1 an de présence dans la société en me confiant un super gros projet qui a duré 4 ans et qui a représenté énormément pour la société. Chacun peut donner son avis, on peut discuter, il n'y a pas de poids de la hiérarchie. On a envie de se développer plus à l'international et je crois qu'on a plein de projets motivants, novateurs et avec des très beaux potentiels qui vont arriver dans les prochains mois, les prochaines années. Et ils font partie d'une communauté internationale avec la Fondation Eclipse et il faut continuer à s'ouvrir au monde et à intégrer des collaborateurs d'autres cultures. Je pense que c'est la voie pour OBO. Pour nous, un des enjeux pour demain, c'est d'avoir un succès mondial. Une technologie qui se répand très fortement. Deux secteurs vont permettre de tirer cette stratégie à travers la transformation numérique des entreprises et l'ingénierie système pour l'industrie. Je pense qu'on est encore au début de cette aventure et j'ai vraiment énormément de rêves que j'ai envie de pouvoir accomplir dans le futur. Je veux coder en français, en latin, les mots, il était une fois. OBO, et moi. Pouvoir dire, il était une fois. Pouvoir dire, il était une fois. OBO, et moi.